Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une activité AFK qui va vous permettre de gagner de l'argent et de l'RP en illimité. Faut savoir que c'est une activité hyper simple, hein, les gars, il y a juste à lancer l'activité. En plus d'ailleurs elle est en solo, donc vous n'avez pas besoin de potes pour la lancer, mais il y a juste à la lancer et se mettre en AFK dedans, donc il y a vraiment rien de plus simple. Pour tous ceux qui veulent savoir, les gars, il y a zéro risque de ban, c'est des activités complètement legit, vraiment avec zéro risque de ban. Comme d'hab, vous savez que j'aime bien vous présenter les nouvelles activités AFK qui sortent, donc c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Sinon, juste avant de commencer la vidéo, les refs, j'aimerais parler du site Easy Looting. Donc c'est un site qui va vous permettre d'acheter des services de boost, des paquets modés, des tenues modées et bien sûr des comptes modés. Donc quand je parle de services de boost, je parle bien sûr d'argent et d'RP que vous pouvez acheter sur le site pour un prix super réduit. Si vous comptez passer une petite commande sur le site, les gars, n'hésitez pas à utiliser le code promo WhatsUpTeam, ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Aussi, il faut savoir que c'est un site 100% fiable, les gars, vous pouvez me faire confiance, je me permettrai pas de vous présenter un site qui marche pas. Et en plus de ça, les services ils sont dispo sur toutes les plateformes, donc il y a pour Play, Xbox et PC, il y en a vraiment pour tout le monde. En tout cas, tous ceux qui comptent jeter un petit coup d'œil à Easy Looting, les gars, sachez que vous êtes des bons, je vous mets le lien du site en description. Et aussi au passage, je vous mets le lien de mon Discord si jamais vous voulez trouver des gens avec qui faire des glitches ou des braquages. Ou même si d'ailleurs vous voulez faire l'activité AFK avec du monde, n'hésitez pas à le rejoindre pour trouver des gens avec qui le faire. Et sans plus attendre les refs, je vous laisse directement avec la vidéo. Donc pour commencer les gars, il va falloir tout d'abord se rendre dans la description de la vidéo et vous allez voir que j'ai mis 3 liens. Donc en fait c'est le lien de l'activité, il y aura un lien pour les Play, un lien pour les PC et un lien pour les Xbox. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui vous correspond et ensuite ça va vous rediriger vers le Rockstar Social Club et il y aura juste à ajouter l'activité en favori. Donc vous verrez, il y aura un petit bouton vert, c'est super simple, il y a juste à cliquer dessus. Ensuite une fois que vous aurez ajouté l'activité en favori, par contre il faudra relancer votre jeu, donc parce qu'en fait sinon l'activité elle va tout simplement ne pas s'afficher. Et puis une fois que vous aurez fait toutes ces étapes, on va pouvoir faire start en ligne, activité, jeu activité, on va aller dans les favoris et ensuite on va aller dans les épreuves de survie et c'est celle qui s'appelle Mal AFK, donc c'est celle-ci. Quand vous êtes dans le lobby de l'activité, là les paramètres on s'en fout, sauf si vous voulez acheter des balles, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc là on va confirmer les paramètres et ensuite faut savoir qu'en fait si vous allez inviter des potes, donc vous pouvez être 4 maximum dans l'activité. Donc plus vous allez inviter de potes et plus vous allez gagner d'argent. Donc moi pour la vidéo je vais la lancer en solo, mais n'hésitez vraiment pas à inviter des potes dans la mission, comme ça vous allez gagner un maximum d'argent. Quand vous êtes dans la mission là, vous allez voir que bah il y a des balles et des gilets pare-balles, donc n'hésitez pas à les ramasser, ça fait toujours ça de plus. Et du coup maintenant en fait vous allez voir qu'en fait on a vraiment rien à faire. Donc on a juste en fait à placer un élastique entre nos joysticks pour que notre personnage il tourne comme ça en rond. Donc en gros là il y aura des PNJ qui vont spawn tout seul et qui vont mourir par des grenades qui se déclenchent automatiquement, donc vous avez vraiment rien à faire. Évitez aussi de vous mettre trop proche des barrières au cas où il y a une grenade qui pète juste à côté, parce que du coup il y a des risques que ça vous tue en même temps. Donc là vous d'ailleurs vous pouvez voir qu'on a déjà fini la première vague, donc c'était vraiment hyper rapide, en 10-15 secondes même pas, et bien on a déjà fini la première vague. Au niveau des tarifs de l'activité, donc tout d'abord faut savoir qu'il y a 20 manches, donc au bout de 20 manches la mission va se finir. Et vous allez gagner 60 000 $ et 5 000 RP. Donc sachant que la mission les gars elle dure à peu près 15 minutes au total. Vous pouvez du coup la relancer environ 4 fois par heure et ça va vous faire à peu près du 240 000 $ et du 20 000 RP, donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant par contre l'astuce pour gagner vraiment un maximum d'argent avec cette activité, c'est tout simplement de créer une liste d'activités et de mettre cette activité plein de fois dans la même liste. Donc par exemple vous pouvez du coup lancer la liste la nuit ou l'après-midi quand vous faites un truc et l'activité elle va se relancer toute seule. Donc par contre pour ça il faut du coup créer une liste et ça va du coup vous permettre en fait que l'activité se relance toute seule sans que vous ayez rien à faire. Aussi bien sûr vous pouvez ne pas la faire en AFK, si vous voulez aussi gratter quelques points d'XP, n'hésitez pas à tuer les PNJ juste ici, ça va vous donner un peu d'XP, je crois c'est 15-20 par PNJ tué. Bref en tout cas les refs, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'astuce et de la vidéo en général.